Salut YouTube, Eric Legault de chez Galago Musique. Alors aujourd'hui pour vous, un morceau des Red Hot Chili Peppers, Under the Bridge, un morceau qui n'est pas facile du tout, puisque difficulté 7, comme vous pouvez le constater dans la description. C'est un morceau donc, que je vais découper en 4 épisodes, ce que je viens de jouer au début étant donc la première partie, ce qu'on va étudier aujourd'hui. Vous constaterez que la première position, d'accord, peut-être assez décourageante si vous ne l'avez jamais travaillé. Passer ce truc-là, en fait, ça va, même si ça paraît un petit peu dense et tout, je vous promets. Il n'y a que le premier truc qui est vraiment emmerdant, enfin en tous les cas dans cette partie. Voilà, et je voulais également vous parler d'une chose, c'est que j'ouvre les portes du Galagoton. Le Galagoton, qu'est-ce que c'est? C'est donc un système PayPal que j'ai mis en place sur mon site, qui s'affiche en dessous là, dans lequel vous pouvez, si vous le souhaitez, à présent faire une donation afin de participer à l'effort de guerre de Galago Musique. Parce que, enfin voilà, quelques petits problèmes informatiques là m'ont un petit peu poussé à mettre en place ce système des fois que voilà. Enfin, en tous les cas, on attaque directement les explications avec un gros plan de main gauche, tout ça, et puis pas de médiator, tout en fingerpicking. Alors donc, comme on me l'a souvent demandé, voici donc les réglages que j'utilise sur mon beau Marshall 50 watts. Donc là, je suis en son clair. Attention, effet de caméra. Ouais. Et donc les réglages sont ainsi faits. J'ai mis pas mal de gains, histoire d'avoir un petit grain intéressant. Le canal overdrive, bah, y en a pas besoin. Et dans les effets, j'ai juste mis de la reverb. Le FX level est à 0, hein, même si le preset adjust est tourné à droite. Et puis, bah, c'est tout. Alors je suis pas sûr que ce soit exactement évidemment les réglages de Frusciante, parce que je suis pas très très bon à ce niveau-là, mais voilà, si vous avez un matériel un peu comme le mien, bah au moins on pourra avoir le même son, quoi. Alors, pour commencer ce morceau, il y a deux positions qu'il va falloir que vous maîtrisiez. C'est la première qui est donc un petit peu emmerdante, qui doit sonner comme ça. Donc c'est très joli, mais c'est pas forcément facile à faire. Alors, dans une vidéo où Frusciante le joue pour une leçon de guitare, je sais plus dans quel magazine, lui, il place l'index en deuxième case au niveau des trois dernières cordes, et il place donc une position d'accord de Do majeur. C'est-à-dire troisième case là, de la corde de Si. Quatrième case du Ré et cinquième case du La. D'accord? Do majeur. Normalement, on le joue comme ça, hein, bien sûr. Imaginez que vous deviez jouer cet accord-là sans utiliser l'index, donc en substituant les doigts. Tac, tac, tac. Vous grimpez la position de deux cases et vous rajoutez le petit barré. Moi, je rajoute carrément un grand barré. Je trouve ça plus confortable à faire, même si ça sert à rien par rapport à cette position-là, c'est pareil. Mais bon, voilà, c'est ma position. Donc moi, je la fais ainsi. C'est une position donc de Ré majeur, un substitut de doigté intéressant à l'accord ouvert. Et le deuxième accord, Fa dièse majeur. Donc le standard, hein, deuxième case et position de mi majeur ici. Donc, on attaque maintenant le picking. Donc, ça se passe comme ça. Hop, non, ça c'est pas bien. Là, c'est mieux. Là, c'est carrément mieux. Alors, la main droite, elle doit faire ça. Première attaque, donc à la main gauche, hein, je suis sur la corde de Ré majeur, chelou. À la main droite, je vais choper la corde de La et la corde de Si. Et ensuite, ces notes-là. Donc, gring. Encore. Donc, si vous n'avez jamais fait de finger picking, on joue principalement à la main droite avec ces trois doigts-là. Le petit doigt, on s'en sert pas. Et ces trois doigts-là, ils vont se caler sur la corde de Si, la corde de Sol et la corde de Ré. Clac. Et ces trois doigts-là, ils bougent pas. D'accord? Si on a besoin de jouer la corde de Ré, ce sera ce doigt-là. Si on a besoin de jouer la corde de Sol, ce sera ce doigt-là. Chaque doigt a une corde. Ou chaque corde a un doigt, comme on veut. Je recommence le truc. Ça fait. Je suis toujours en position de Ré là-haut. Hein. Une fois, et puis je vous montre la suite.
tu vois que vous avez fait ça. La main gauche va attaquer la quatrième case de la corde de la. 4, 4, 2, 5e case du mi, 4. Et là, je me place en fa dièse majeur et je gratte cette fois-ci la corde de mi, la corde de si en même temps. Donc, je refais la petite descente. Je repars même durée. Avec le pouce de la main droite, je fais la descente. La première case, là ici, je vais la slider pour arriver dessus. On fait les deux. C'est ça qui n'est pas facile. C'est une fois qu'on a fait la descente, de choper ces deux-là. Même si l'accord n'est pas complètement placé, puisque les doigts prioritaires, enfin les notes prioritaires sont vraiment la corde de mi et la corde de si. Avec le petit barré. Donc, ensuite interviennent les notes du milieu. Ok, je refais ça et j'enchaîne. Voilà. Attendez, je laisse la place, je vais quand même incruster tout de suite cette première partie déjà. Enfin, j'incruste la tablature. La première moitié de notre première partie. Donc je le fais à la vitesse normale et je vous montre la suite. C'est pareil, il manque une petite montée pour faire une jonction. Ah! Donc la deuxième phrase, vous slidez de deuxième case à la 4. 4, 2, 5 de la corde de la et 2 de la corde de la. Donc c'est celle-ci la jonction. Et voilà le passage peut-être le plus difficile de ce riff-là, c'est quand ça fait. C'est-à-dire dès que vous avez fait, faut vous débrouiller pour placer le tout début de la corde de do, enfin la position de do majeur, sauf que le petit doigt, il faut qu'il soit une case. Derrière son placement précédent, parce qu'il va faire ça. Je vais gratter les deux mêmes cordes là, la corde de la et la corde de si. Et sans rejouer à la main droite, c'est le petit doigt qui crée la mélodie. Ça, c'est emmerdant, vraiment travaillez-le beaucoup ça. J'ai galéré. Enfin, quand on est dessus, ça va, c'est plus dans l'enchaînement. Vous avez fait ça déjà, bravo. Ensuite, ah, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis toujours donc sur ma position là. Je recommence. Alors là, j'ai fait quoi? J'ai gratté la corde de si. Et le petit doigt fait un hammer-on, suivi d'un pull-off très rapide. Et dès que vous avez fini la troisième note, 1, 2, 3, je regratte la corde de sol. Et on a quasiment fini. Après, c'est de la répétition. Alors, je reprends depuis le ré où il y a le petit slide du petit doigt. Et j'incruste la tablature. Ensuite, vous vous replacez en ré, comme ça. Vous quittez rien du tout. Et c'est ces deux doigts-là, en fait, on va gratter ces deux cordes de basse, la corde de la et la corde de ré. Le top, c'est si le petit doigt peut bloquer le gros mi. Parce que quand vous grattez vers le bas, il ne faudrait pas qu'on entende le mi en dessous, là. Il ne sert à rien. D'accord, donc. J'ai fait quoi? Je suis parti de là, j'ai gratté les deux. Je l'ai slidé de deux cases. Dans l'enregistrement studio, on entend vraiment que ce sont les basses qui montent, peut-être même que la corde de la. Dans un autre enregistrement, toujours où il fait la leçon, là, il montre carrément qu'il peut même gratter tout l'accord. Top, hein? Je
J'espère que le son est bon, je remonte un petit peu. Et après ça, on revient en fa dièse. Oh. Alors, je vous le refais depuis le début. J'espère que j'ai rien oublié. Allez. Allez, avec la tablature en dessous. J'essaye de me mettre confortable, j'arrive pas à trouver. Là, peut-être? Oui, c'est mieux. L'accord de fa dièse, je sais pas si j'avais montré le détail tout à l'heure, mais la main droite ça donnera ça. Corde de mi, corde de la. D'accord. Bon, ben on est presque au bout du truc d'ailleurs. Alors, je vous le refais encore une fois. Sortie du riff qui fait la qui fait le fa dièse normal. Et quand il revient sur le premier plan, le rythme est un tout petit peu différent. Écoutez bien, ça c'est pareil, c'est là. Voilà, ça c'est quand il rajoute pas le petit machin. La descente en fa dièse. Toujours j'attaque les deux. Et la dernière fois de ça. Il va justement traîner sur les cordes jusqu'à arriver à la position de mi majeur, qui sera le début de notre partie 2. Je vous le rejoue de loin et j'incruste tout. Alors juste avant de nous quitter à présent, je voudrais vous montrer cette version en acoustique, puisque ça fonctionne aussi, ça donne ça. Ça, ce sera le sujet du cours numéro 2. Donc, si vous essayez à la folk, ce qui est dur, c'est vraiment d'avoir une pression suffisante. Donc, si vous voulez faire un bon travail de musculation et de placement, et que vous avez le choix des guitares à la maison, essayez plutôt de travailler le premier accord sur une folk.
comme ça, quand vous passerez sur électrique, ça vous paraîtra carrément plus facile. Voilà, et eh bien écoutez, amusez-vous bien, bon courage, surtout donnez-moi des news, et puis j'espère que mon problème de commentaires auquel je ne peux plus répondre sur YouTube est désormais résolu. Voilà, bonne guitare, à bientôt, ciao. Partenaire officiel du Galagoton. Salut YouTube, Eric Legault chez Galago Musique. Alors aujourd'hui pour vous, un peu de Red Hot Chili Peppers avec, je l'ai bien dit, hein.